Et salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Et cette fois-ci, nous serons sur du Fight Paradox et je serai bien sûr en compagnie de... Mister BBoy45. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah super, écoute. Est-ce que tu es heureuse? Bah oui, parce qu'on va ouvrir un nouveau set. On va ouvrir un nouveau set, ouais. Bah dis-nous un petit peu plus sur ce set, hein. Et bah là, on part sur du Fight Paradox, donc ce sera Pokémon futur et passé. Exactement, ton passé et ton futur. Ouais, un petit peu comme Écarlate et Violet déjà. Le premier set, c'était ça. De. Avec Miraidon et Coraidon. Oui, alors le thème c'était effectivement si tu choisissais Violet, t'étais dans le futur, et si tu choisissais Rouge, t'étais dans le passé, Écarlate. Mais là c'est un tout petit peu différent parce qu'en fait dans le jeu vidéo il y a une faille qui s'est créée et c'est des Pokémon paradoxales, donc du temps passé et du temps futur qui sont mélangés exactement. Donc une fois ces Pokémon paradoxes passés, on n'en reverra normalement plus jamais. C'est-à-dire que ces Pokémon dans le prochain jeu vidéo Pokémon ne devraient pas exister normalement. Donc effectivement, c'est Fight Paradox, c'est la nouveauté, c'est sorti il y a l'équivalent d'une semaine, même pas, il y a 4 jours je crois. C'est sorti il y a 4 jours, mais tant que je fasse le montage, voilà, vous l'avez peut-être une semaine après. Vous avez donc l'art set sous les yeux, art set plutôt sympa, composé de 4 boosters différents et non 5. Chose qui a changé dans EV4, bah, c'est le taux de loot. Voilà, ils ont préféré le réduire un tout petit peu. Pokémon Company, c'est des malins. Avant, vous aviez 2 alternatives minimum slash gold par display. Maintenant, on est passé à 1 et j'ai fait un display avec 0 alternative. Ouais, super. Donc, attention. De base, c'est Charbonbin, mais du coup, il a un nouveau. Voilà, il évolue en... Voilà. Voilà, donc ça, c'était Gardevoir, donc c'est devenu... Alors, c'est un mélange de Galam et de Gardevoir, justement, et c'est devenu... Il y a fer dedans. Garde-fer, tout simplement. C'est devenu donc Garde-fer du temps futur. Là, ils ont pris Rugilune, donc le Dratak du temps passé, et à droite, Sophie... Karchakrok, Terra cristallisé. Donc voilà, vous avez l'art set sous les yeux, Garde-fer, Rugilune, Karchakrok, Terra cristallisé. On est parti, on va ouvrir tout ça. Allez, premier booster, on est parti sur du Statitique. Statitique, tu vois, j'avais dit que j'hésitais entre statique et statitique la dernière fois. Et, c'est statistique. Et c'est statistique. Statitique. Alors, Natu. Natu. Rémoreille. Pitrouille, qui est très jolie d'ailleurs. Technorada. De temps futur. Triopico, capsule technique énergisante spontanée, Topico et malheureusement Goupilou en reverse et en holo Hipporoi qui est très sympa. Et nous avons Hippotrempe, Statitique encore, Octillery, Nosferalto, Shaofuin. Plan du professeur Turum. En temps futur, qui est très stylé. Ouais, qui est très très bien comme carte. Motoriza. Un peu bizarre. Allez, première reverse. Chocodile en reverse, elle est très mignonne. C'est Chocodile. Chocodile, pardon. J'ai dit quoi? Chocodile. 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 Chocodile, pardon. Et Porygon 2. Et en holo. Gigancelle. Gigancelle en holographique. Oh, Kuba. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Arachdo. Chuchmur. Chuchmur, lui, il me fait taper des barres. Il évolue en rien, en plus. Je sais pas du tout. Capsule énergie booster, temps passé. Nouvelle carte, du coup. Ouais. Mascadra. Qui fonctionne qu'avec les Pokémon temps passé. C'est pour ça que, vraiment, c'est une nouvelle méta, les amis, hein, dans le TCG. Attrape riposte. Et Rémoray. Rémoray, deuxième... Malheureusement, une reverse. Mascadra. Et une holo. Latios qui est très mignonne en holo. C'est parti. Portez chance. Un Nosferapti. Il me stresse avec ses ultrasons sur le côté. Mortulo. Mordudor, Sophie. Si tu dors, tu mords. Mais non, c'est qu'il est Mordudor. Il adore l'or. Ouais. Ah oui, c'est un Mordudor. Bah oui, c'est un jeu de mots. Ouais, bah oui, ça y est. Chakripan. Elle vient de comprendre, les gars, elle vient de comprendre. Chakripan. Kung Fuin. Fermite. Dégueulasse. Veste de défi. C'est quoi ce bruit? Bah, je sais pas. Oh. Sorbouboule. As-tu déjà léché les sorbouboules d'un mec? Roublard. Roublenard. Roublenard. Oh. Et... Une alternative.
Oh, je sais. Oh, on va kiffer. Oh, bien on va sûr. Kiffer, vas-y. Tu l'as déjà eu? Vas-y. Non. Voilà. Pelage sablé en alternatif. En vrai, elle est cool. Elle est stylée. C'est donc le magnéton du temps passé. Voilà, magnéton du temps passé. Par contre, c'est vrai que sur les noms, c'est ce qu'on disait avec des amis. Ils ont trouvé des noms un peu particuliers. Mais elle a quand même des textures très, très propres. Hein. Si tu penches un peu comme ça en arrière pour... En fait, on voit les... Voilà. On voit les rayons de soleil qui tombent, tu vois ou pas ce que je veux dire? Regarde là, on voit les rayons de soleil qui tombent et l'effet des airs, c'est très très beau, très belle carte, je suis très content. Tu veux dire pourquoi pelage sablé? Je suis très content. Ça n'a rien à voir avec magnétique pour le coup. Et malheureusement, Stelix Holo, qui est quand même très très belle, faut le dire. Allez, Flamant Rouge, Porygon, Hypocéon, Magby, Technoradar. Hôte de fer. Et Hôte ben de voilà, fer. Ça y est, on a Hôte de fer qui est cas d'oiseau, voilà. Mais cette fois-ci la version future, donc il est robotique. Première fois qu'on voit un Pokémon... On sait tous que dans le futur, les gars, il n'y a que des robots. Non, il y a eu du Pokémon temps passé. Non, on n'a pas eu avant. Bah si, pelage de sable, Sophie. Oui, mais... Une alternative qui plus est. Capsule technique Anglomore. Flatouton. Et Porygon. Et en holographie, Roublenard. Je sais que ça va diviser beaucoup les gens, mais très honnêtement, moi j'adore le délire temps passé, temps futur et tout. C'est vraiment, non seulement ça change un peu la méta, on voit d'autres Pokémon et il y a de très belles cartes. Franchement, ce EV4, je trouve très très beau le set, que ce soit les airs ou les alternatives. Donc, mais je sais que c'est pas du goût de tout le monde et je peux comprendre. Mais il y a quand même des Pokémon dégueulasses Bah sur Bouboule, c'est pas. Non, mais même du temps passé ou temps futur, ils ont fait un peu de la merde. Guirigon. Brou. Ah, bam. Et Flotillon. Et attention. Gambex. Gambex holographique. Plein. Et. Un petit Jirachi. Jirachi qui va être beaucoup joué aussi dans le TCG. C'est Ludin. Sœur Parasol. Sœur Parasol qu'on a eu en japonais, les amis, dans l'opening. Ouais. La carte la plus chère de Raging Surf. Porygon 2. Banchitrouille. Ah, Rampel qui est magnifique, je trouve, temps passé. Ouais, qui est super cool. Meloco. Compagnol en reverse, deuxième reverse, Flatajou et Yveltal. Bon, et dur hein, pour l'instant, hein, cette display-là. Hein. Et on part sur du Dimoclès. Mokles. Et crémeux. Sauf qui pue. Pour sauf qui peut. Possipi. Possipi. Positif. Ouais, Possipi. T'as dit Possipi. Brouhaha. Non mais ça m'énerve en fait. Brouhabam. Brouhabam. Capsule technique des évolutions. Oh, Hurlequeue que j'aime beaucoup. Ouais. Dommage qu'elle ait pas son alternative, je crois, mais j'aime beaucoup Hurlequeue. Vas-y, mon coup de cœur des temps passés, des nouveaux Pokémon. Elle est très mignonne. Et pourquoi Hurlequeue? Parce qu'en fait, elle ne sait pas chanter. C'est Rondoudou, donc du temps passé, mais il sait pas chanter, donc il hurle tout le temps. Monorpal. Et Anis. Beau. Mythe de fer. Mythe de fer, temps futur. D'ailleurs, c'est... Alors, si voilà, jamais c'est Pyrax. Et c'est le seul Pokémon qui a, dans le même set, son temps futur et temps passé. D'accord. On l'a eu tout à l'heure, son temps passé. Et là, on a son temps futur. Là, c'est temps futur. Voilà. À gauche, c'est Pyrax, temps passé. Et à droite, le temps futur. Donc, à gauche, ultra stylé. À droite, bah, plus robotique et tout. Ouais. Là, c'est vraiment... Dites-nous en commentaire si vous préférez le temps passé ou le temps futur dans les Pokémon présentés. Ça nous intéresserait de savoir, alors, d'ailleurs. Temps passé pour moi, pour le coup, là. Oui, moi aussi, pour le coup. Et même pour Hurlequeue. Ouais. Pas très fan de... Et même pour Rugilune. Oui. Même si la garde de fer est magnifique. Ouais. Non, mais Rugilune, c'est vraiment... Les gars, en 10 boosters, un hit. Voilà. Bon. Un très bon hit, par contre. Mais un hit, les gars, là, il faut donner Pokémon Compagnie. Ah oui. Tu nous réserves encore tout pour la fin, toi. Ah ouais, bah oui, c'est mieux. Lilithorelle. Tu penses au Watch Time, ça fait plaisir. Elekid. Bah ouais, je crois, c'est jusqu'au bout. Sorboule. Ah, deuxième design. Ouais. Non, il y a Sorbébé, Sorboule, Sorbouboule. Ah oui. Bah oui, quand il y a deux boules. Grindule. C'est Bouboule. Feuilloutant.
Absol. Scorbol. Oh, capsule énergie, booster capsule de temps. Capsule temps futur. Voilà. Voilà, ça, capsule ouais, temps futur. Pour non, mais là, ça se voit Cabri quand même, hein, pour le coup, là. Okay. C'est un miroir, hein. Et les kids. Et j'adore la les kids. Et... Ah. Oh. Allez, petite, enfin quelque chose. Et ben voilà, un petit garde-fer, évidemment, pardon. En ex. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, temps futur, hein, étant donné que c'est un robot garde-fer. C'est parti. Flatajous. Zébibon. Croquine. Candine. Énergie médicale. Urne terrestre. Et Charbonbin. Charbonbin Rivers. Il est vraiment mignon, quoi, les petits. Oh, une AR. Oh. Oh, oh, elle est cool. On l'avait pas, je crois. Terra Cruel. Terra Cruel en AR. Oh, elle est vraiment cool, hein. Terra Cruel en AR. Cool. Très content, on l'avait pas. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Voilà. Il y a des nouvelles qui donnent le smile, les amis. Je vous le dis. Avec le gros Terra Cruel tout en bas. Y a quelque chose sa tête. Derrière. Encore quelque chose. Allez, une. Full art. Samouraï. Samouraï en full art. On l'avait pas non plus, donc je suis content. Ouais. Encore une fois, tout ce qu'on a pas. Mal, en vrai, hein. Je suis content. Et elle est plutôt. Ça va pour une full art. Ouais, pas, non, ça non, franchement, ça va. Elle est. Les couleurs, il y a un petit truc quand même. C'est un peu plus net que les anciennes full art. C'est ok. Et on part sur du Scorplan. Larvada. Chouchoudine. C'est chouchou. Littorel. Médoco. Brouhabam. Capsule technique. Statitique. On dirait un tableau, je trouve, d'un peintre que je retrouverai après. Littorel. Ah, les pissenlits. Non. Non, pas vraiment. J'aurais dit plus okay, du impeccable. Monet. Oui, pense. Bah oui. Oh, Groudon. Groudon Holo, qui est très belle, je trouve. Ouais. Ils ont mis un côté flou très sympa. Franchement, très bien. Hop là. Bon, bah, on n'a rien eu du coup. Spinder. Tête de tigre. Forgerette. Compagnol. Rampel. Terra Cruel. Motorizard. Forgelard. Attention. Compagnol. Et tête de fer. Tête de fer. C'est la première fois qu'on l'a celui-là. Ouais, mais j'ai pas le nom du Pokémon de base de qui s'est inspiré. Et on part sur Madbee. Flamenroule. Toxisap, Léopardus, Scorbol, Hotte de fer, Énergie médicale, Ramboum. Aïe, 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 ils sont... Oh, oh, une petite ex... Oh non. Oh, Gromago. C'est Gromago, l'évolution donc de Mordudor. Mordudor. Voilà. Bon, c'est bien, on sait que la deuxième fois qu'on l'a qui plus est, donc je vais la lire en attendant. Crabrak, Onyx. Onyx. Flotillon. Elle est morte. Goupilou. Poupée Renflex. Capitre. Ah, mais lui, on l'a à chaque booster. Bah, hein, c'est ouais, infernal. Ouais. Hein. La cape luxueuse. Premier reverse, Amacel. In deuxième reverse, Larvada. Et oh, Xatu en holo. Bon, là, sur le papier, Sophie, il nous manque au moins la moitié des hits. Donc, donc là, il nous manque 5 hits. Il reste 4... Megaball. 5, 6, 7, 8, Babymanta. Il reste 10 boosters, Feuille Sophie. Ouais. 11 avec Mégapi. Celui que t'as dans les mains. Il nous reste 5 hits. Donc là, un booster sur deux, normalement. Hein. Nostampère. Allez. Flamoutan. Dimoclès. Dimoclès. Et voilà. Crabarac. Yes. Bon, on l'avait pas. Elle est pas très belle, honnêtement. Ouais, il se protège de la pluie. Elle est un peu banale. Ah si, je crois que je l'ai en plus. Je ouais. crois que je l'ai. Mais c'est vrai qu'elle est pas fifou. Ouais. Ah, voilà. Un booster qu'on contient deux. Oh, on l'avait ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas. Anis en full art, évidemment. Ce n'est pas une alternative, c'est une full art. Ramboum. Elle est cool d'ailleurs son AR à lui. Rémoré. Pitrouille. Tu l'as vu, non? Nosferapti. Astronel. Le plus. On la voit rarement Astronel, mine de rien. Noacier. Exagide. Oh, Flamenroule.
et en holo. Milobellus. Oh, Milobellus, qui est un Pokémon magnifique. On tombe dessus là. Magnifique. Terra cool. Parce qu'il est cool. Capluxueux. Elle est chiante. Craparoi. Elle s'arrêtera jamais, mon Pokémon. Astronel. Et non. Premier allez, qu'elle nous réveille. Et ça erre. Y'a rien à faire. Oh, je crois que c'est une dinguerie. Vas-y. Oh, bah voilà. La Serpazone. On est bénis, les amis. On est bénis. Deux SAR. Ouais. Parasol Lady, Sœur Parasol en français évidemment, et c'est la Parasol Lady qu'on a eu en japonais qui vaut très très cher. Elle vaut beaucoup moins cher en français, mais elle est quand même dans les 60 euros. Ouais. Donc très cool. Je trouve que... Oh, Palkia derrière en holo, mais très très cool. Tu disais? Bah, j'ai l'impression que... Elle brille moins. Ouais, que la japonaise. Là, voilà, là on s'en rend compte de tous les détails. Ah ouais, non mais laisse tomber. Hein. Ah bah oui, oui, mais ça c'est pas nouveau, hein. Le japonais malheureusement, elle est vraiment plus beaucoup belle, hein. Plus quali. Et les deux sont sous-slivés, hein. C'est ça le truc. Ouais, hein. Ouais. Mais en fait, les japonais ont une texture totalement différente, une empreinte différente, et donc c'est beaucoup plus brillant. Parce que voilà, la japonaise, regarde ses yeux, ça change de couleur en fonction, comme l'arc-en-ciel en fait. Tu ouais, vois ouais, ouais. Et nous, pas vraiment. Ben voilà. Mais au moins, c'est le pattern. Le pattern japonais, c'est connu pour être beaucoup ouais. Plus, ah ouais, non, mais beaucoup plus agréable. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus belle en japonaise. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal, très on est pas mal. Là, ça remonte le moral, hein. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Deux alternatives dans cette display. Vraiment, tu toujours sur la fin en plus, Sophie. Ah bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu nous régales. On part sur du Sorbébé. Sorbébé. Charbonbon. Tilton. Tilton qui a une SR magnifique. Hein. Imagine une troisième alternative, ce serait du jamais vu. Ce serait cool. Hein. Non, j'y crois pas évidemment, mais. Ouais, bah, si on zoom sur un petit truc buggé. Hot de fer. Ouais, j'en ai. Oh. Tête de fer. Tête de fer en reverse. Et ouais. Très très bien. Un peu le côté mur. Pas trop en fait à la cam. On le voit à l'œil nu, mais. Et Léopardus. Oui, j'ai pas fini. Zekrom. Mais là avec les reverse au cas où. Hop là. Et Zekrom. Elle est plus Tully. De 3 boosters. Ouais, là, là. Elle est belle, Tully. Si dans mon livre, on a une AR. Peut-être pas celui-là, mais dans les restants. Et ça serait incroyable. Chuchmur. Et peut-être une Terra cristallisée. Oui, Yu-Yu Holo. Yu-Yu qui revient. Le petit poisson feu, son alternative. Elle enfin, est cool son en air, plus, hein. Qui vaut. Non, son alternative qui vaut assez cher quand même. Ah, je l'ai pas vu, je sais pas à quoi ressemble. Si, c'est dans Evolution en Paldea. Gébibron. Plumeline. Allez, yes, dans mon livre, on a une autre AR. Et si c'est Groudon. Anis. Incredible. Oh, Yakata. Ouh, Mortudor. Krabarak. Ouh, une cristallisée. Oh, Terra cristallisée ou pas, j'aimerais beaucoup. Let's go, c'est ouais. Salarsen. Alors, pourquoi je suis dégoûté? C'est juste que, en fait. Il me manque ou pas. Je n'arrive pas à l'avoir en Terra cristallisée. C'est infernal. C'est la seule qui me manque. Mais bon, Salarsen, on l'a déjà eu. Je l'échangerai contre quelqu'un qui a peut-être une ou pas en trop en boutique. Évidemment. Il y a Monoté Shop, hein, je le rappelle, dans le 45. Si vous habitez dans le 89 ou autre, n'hésitez pas à passer. Ça fait plaisir. On fait des tournois officiels. On est parti. C'est donc un Karchakrok Terra cristallisé qui va clôturer ce bal, évidemment. Retrouvez-nous tous les vendredis soirs sur Twitch. On ouvre les displays, on ouvre du EV4 d'ailleurs pour se faire plaisir, voilà, pour se faire là, un kiff. Voilà. Et d'autres choses, hein, on ouvre toujours, on ouvre plein de choses, les amis. Moonorphal, Krabicoque, Vitalité de la Professeure Olim. Mais je crois que c'est la première fois qu'on l'a, non? J'ai l'impression, hein. Hurlequeue, Cayenne, bah aussi. Haute de Fer. En reverse. Ça brille pas mal, j'ai l'impression. Mais je Feuillageou, non. Non, je me suis fait... Bah alors, la dernière ex, le dernier hit. Samouraï, évidemment. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. Finalement, on est dans les clous, on est tombé dans les clous. Deux SAR, c'est cool. J'ai quand même eu des displays où il y en avait une seule. Ouais. La plupart de mes displays en avaient une seule et des à zéro. Hein. Donc voilà, la 2SAR, ça m'a fait mentir malheureusement pour ce coup-ci, mais croyez-moi que voilà, il faut quand même avoir de la chance. Je suis très content qu'on ait eu 2SAR dans cette vidéo. Donc sur Parasol, évidemment, et pelage sablé, c'est ça? Pelage sablé. Donc 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 hits.
On est dedans, voilà, voilà, on est dans Écarlate et Violette. De AR, il n'y a plus de traîneurs galerie parce que les traîneurs de galerie sont devenus des AR, donc on est dedans. À l'époque des traîneurs galerie, on montait à 15 hits, hein, mine de rien. C'était des collections de 30 à chaque fois qui étaient rajoutées. Mais là, dit, on est dans les clous. En vrai, on aurait pu avoir 11-12 hits aussi. Ouais. Il y a un monde où beaucoup contiennent 11-12 hits. Bah avant, tu avais automatiquement la cristallisée. Là, il nous manque une Full Artera cristallisée en vrai. Et, une AR aussi. Donc, on serait à 12. Donc, on est sous le quota, voilà, de d'habitude. Mais il y a quand même deux SAR. Donc, c'est plutôt pas trop mal. C'est pas mal. On espère que ça vous a plu. Sophie, le mot de la fin. Eh ben, je vous dis à une prochaine ouverture, du coup. Allez, à une prochaine ouverture. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire pour participer.